Ou alors, je fais pas mes... Ou alors si, je peux pas entraîner. J'ignore si ça va marcher. Certains vont empêcher de se poser. Ah oui, d'accord. Il y a combien de tirs? La sortie de là-bas, non, d'accord. Voilà. Bon, dommage, donc j'ai un mur qui sert à rien. Mais... Ça fonctionne. Voilà, hop. Donc apparemment j'ai l'air de tomber sur un donjon de bonne qualité. Comme vous voyez, ça marche plus mal. Bon, je dois couper et puis bah je vous reprends. Voilà, donc nous revoici, et puis donc je suis très très content donc d'avoir pu faire ce donjon, très très pratique. Alors, bon, j'arrête pas de répéter ça, hein, je sais, mais excusez-moi, mais je suis assez content. Donc nous allons voir les différents éléments de crafting possibles avec le fil, parce que je peux combiner ça en plus à mes tutos. Alors, du fil, je dois en avoir assez en plus. Donc ceci est une canne à pêche. Voilà. Tout simplement. Ceci. Devinez ce que c'est. C'est un arc. Voilà. Et ceci. Que vous pouvez faire le centre de parking. De la laine. Et oui, ah, je vais pas vous mentir, wool. Ceci, c'est le calme que j'avais récupéré sur un mouton, souvenez-vous, avec la fenêtre. Donc vous voyez, je fais de la laine avec du fil. C'est très 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 bien. Voilà. Donc l'arc, malheureusement, je n'ai pas de flèche. J'ai une pointe de silex, je n'ai pas de plume. On retournera à mon abri, peut-être qu'il en aura. Ça c'est pas mal. Hein. Alors, viens.
apparemment. Et ça fait mieux le problème des araignées, c'est qu'elles montent au mur. Donc évidemment, elles tombent pas contre forcément la flotte. Voilà. Tout simplement. Oui, c'est un jeu d'enfant. Malheureusement, on peut pas les faire tomber directement. Enfin, les faire tomber directement vite dans un coffre. Enfin, je ne pense pas. Voilà, bon, donc je sais que je lambine un petit peu alors qu'on est à l'épisode 19. Oh putain, non, j'en ai eu. Génial ou pas? Bon, et ben, on va vous montrer la pêche. Tant bien plus, j'ai une source naturelle. Alors, une source naturelle, donc. J'ai une astuce à vous montrer pour comme ça les sources, enfin les sources, mais si vous êtes coincé, j'ai pas de combustible, ah non mais pour, non, non. Je vais commencer à recréer du charbon parce que je suis en manque de charbon. Bon, pourquoi du charbon? Je vais vous montrer. Donc vous appuyez sur la touche Shift. Et vous pouvez pêcher dans un carreau de flotte. Voilà. On a raté. Voilà. Donc je maintiens toujours la touche Shift. Je ne veux pas mordre. Voilà, donc la canne à pêche a également une durée de vie. Hein. Voilà, plus vous pouvez récolter comme ça autant de poissons que vous le voulez. Donc il faut appuyer sur clic droit pour lancer et clic droit lorsque vous voulez récupérer votre hameçon. Et si vous le faites alors que le bouchon est en train de couler, pour récupérer le poisson. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Donc quand vous êtes coincé la nuit et que bah, vous manquez de vie par exemple, et bien voilà. Vous faites ça comme ça. Parfois ça peut mettre du temps à mordre. Ça mord plus. Et normalement c'est inépuisable. Hein. Une source d'eau est inépuisable. Bon ben voilà, là, ça c'est la pêche. J'en voulais 8, mais bon, c'est trop long. Alors, c'est pas là, c'est là. Bon ben je vais faire un peu de gaspillage ou pas. Je vais pas faire un peu de gaspillage. Donc le poisson cru rapporte moins de vie que le poisson cuit. Comme les côtelettes quoi. Mais nettement moins utile. Voilà, je donnerai plus la mission supplémentaire en plus.
Et voilà. Et voilà. Sur ce deux ne serait pas négligeable. Je suis encore un peu mouillé, je vois qu'il y a un cochon là-bas, je crois. Ouais. J'irai cramer sa race. Et comment je parle sérieux? Peut-être faire du minage optimisé ici, enfin une version du minage optimisé avec de la TNT. Voilà, bon donc c'est un fail. Donc je pense plutôt qu'on va aller sur le serveur. Je vais faire des explications de mes différents... de mes différents systèmes sur serveur. Allez, c'est coincé. Au final, je pourrais avoir une tâche. Donc, ils viennent de là-haut. Là, je rebouche la vue. Donc mon projet de véranda, comme un petit peu aller là-dessus. Je la ferai peut-être quand même. De toute façon, je n'ai même pas. Je n'ai même pas de sable pour me faire du verre. Ça ne pue là. Donc je retournerai sur le serveur, je vais faire mes tutoriels Redstone et compagnie en serveur. Après je vais récupérer cette cité là-bas. Donc je vais creuser autour à la fin du coup.